fois à l'ancienne, il y avait une vidéo d'un artiste de chez moi, JB Mpiana, qui a eu un petit souci avec un de ses fans en fait sur Snap. Et le gars il a pété un plomb, il a dit vas-y je te bloque, tu vois. Et le truc il m'a tellement fait rire en fait. Chung, c'est un créateur passionné qui est à la recherche de la perfection. Et c'est tout simplement parce que j'ai changé de prénom plusieurs fois. À la base c'était Jesse, après c'était Jesse Chung Lee, maintenant c'est Chungs. Donc c'est ce qui fait que il n'y a pas autant de morceaux de moi en fait sous le pseudonyme Chungs en fait. Yes. Bon, en vrai, j'étais dans la voiture, j'écoutais le morceau, Zobetamabe, et j'ai dit, mec, c'est une dinguerie ce son. Donc, quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, non, faut que je fasse une maquette ou un truc direct dessus, tu vois. Donc, le truc, c'est que, ouais, j'ai commencé à écrire dessus, j'ai fait une petite vidéo via Insta. Après, un jeune talent congolais qui a vu et qui a envoyé à Inos. Et après, Inos direct, il m'a dit, ah ouais, pour le remix et tout. Et après, je lui ai dit, ah, faut qu'on soit en contact, tu vois, histoire de faire un remix officiel. Il a dit, vas-y, y a pas de souci. Donc on s'est appelé et tout ça, je lui ai demandé de faire la vidéo pour pouvoir l'intégrer dans le clip. Je lui ai fait écouter le remix, il a validé, il m'a donné 2-3 conseils aussi. Et ça s'est vachement bien passé. Et puis voilà, grosse force à lui en tout cas. On est ensemble. Ah bah ouais. Je te bloque, c'est une longue histoire. Hein. Je sais pas si je dois commencer par Poison ou par l'instru ou par. Je sais pas, mais si on doit commencer par l'instru. C'est que une fois à l'ancienne, il y avait une vidéo d'un artiste de chez moi, JB Mpiana, qui a eu un petit souci avec un de ses fans en fait sur Snap. Et le gars il a pété un plomb, il a dit vas-y je te bloque, tu vois. Et le truc il m'a tellement fait rire en fait que j'ai dit ok, faut qu'on sample ça, tu vois. Donc il avait déjà une instru là qu'il avait produit. Donc après moi ce que j'ai fait c'est que j'ai placé je te bloque à chaque fois, tu vois, dans chaque partie. Et bref, le truc qui me faisait péter les plombs, genre je rigolais carrément. Je me suis dit, mec, dans un son comme ça, il me faut un gars comme Poison, tu vois. Parce que Poison, on dirait pas, mais quand tu le connais comme ça, il est très drôle, tu vois. Il est vraiment drôle. Et j'ai dit, moi, il me faut un Poison parce que lui, il peut te sortir des punchlines là, toi, tu vas rigoler. Donc après, ce qui s'est passé, c'est que j'avais eu de la chance en fait de collaborer avec lui sur d'autres morceaux. Malheureusement, on n'a pas pu le sortir. Mais là, je lui ai dit, non, Poison, faut que tu poses sur son. Il a écouté, il a dit, ah ouais, il y a un vrai délire, machin et tout. Donc direct, il a posé le couplet. Après, je me suis dit, il faut Biscotte, tu vois. Parce que Biscotte, si tu le vois dans des clips, souvent, il est là, il fait rire, machin. C'est vraiment son délire, tu vois. Donc, il y a un gars, moi, Manolo, big up à lui aussi, qui m'a mis en connexion avec Biscotte. Et puis, on est allé sur Paris et ça s'est fait, hein, directement, dans une bonne ambiance. Je te bloque. Le boyke, à la base, on était déjà dans la même school, mais on s'entendait pas trop, tu vois. Après, une fois, j'avais mis un post comme quoi je cherchais une prod, il y avait un son là que je voulais sampler. Et Kay, lui, il est très bon, tu vois, avec son frère pour tout ce qui est simple. Et le gars, il m'a contacté justement sur Insta, il m'a dit, ah, moi, je peux te sampler ça. Et puis, il m'a envoyé la prod en question. J'avais pété les plombs, j'ai dit, mec, c'est pas possible, un monstre, tu vois. Et après, depuis ce morceau-là, c'est là qu'on a commencé à taffer ensemble. On a commencé avec le morceau Dombolo, suis on fit avec Jackie Brown et on a vu que ça se passait super bien, donc on s'est dit non, faut qu'on continue. Maintenant ça fait quoi? Maintenant ça fait 4 ans, je crois, 4-5 ans maintenant qu'on bosse ensemble. Et là on est en train de créer aussi notre label, The Barners. Ah bah ouais. Ouais, là franchement ça fait un bail, j'ai même honte de te répondre, parce que ça fait un bail. Et les meilleurs souvenirs, c'est la rencontre avec Papa Wemba, Moloka. C'est vraiment un de mes meilleurs souvenirs. Mais de toute façon, là, bientôt, je vais faire plein d'allers-retours. Bah, Covid égale pas de show, pas de festival. Donc, tu vois, c'est la merde. Tu vois, c'est la merde du sens que... Tu vois, souvent quand tu bosses un son au studio ou tu viens de sortir un morceau, t'as envie de le présenter genre en live, tu vois. Et là, tu peux pas. Donc c'est très mystique. J'espère venir à Kin tout bientôt. Et grosse force à Strong de Kin Move. Je vous vois depuis le début et là, vous êtes en train de faire très très mal. Ah bah ouais, Moloka.